Bonjour à toutes et à tous, j'aimerais vous faire une petite vidéo sur comment récupérer ces anciennes vidéos de type comme je le montre, les vidéos qui ont été enregistrées à l'ancienne sur des cassettes, des souvenirs qu'on ne veut surtout pas perdre. Et je sais que actuellement pour récupérer ce genre de vidéos, il faut aller dans une grande surface et payer 5 à 10 euros le film, je pense, si je me trompe pas. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire tout seul chez vous et indéfiniment et gratuitement surtout. Mais je vous avouerai qu'il faut quand même investir. Alors, comme je vous montre dans la vidéo, vous devez identifier dans votre caméscope un cache où est écrit I pour E-Link. C'est le branchement qui se fera entre votre caméscope et votre ordinateur, comme je le montre dans la vidéo. Alors, j'aimerais vous préciser que si l'idée vous passe par la tête de récupérer vos vidéos avec un câble USB, oubliez cette idée tout de suite car vous allez perdre votre temps, comme j'ai perdu le mien, dans une solution qui n'aboutira pas. Et donc, pour pouvoir récupérer vos anciennes vidéos de votre caméscope, il va vous falloir réussir à connecter votre caméscope à votre ordinateur par l'intermédiaire de ce câble. Ce sera le but de notre tutoriel, d'arriver à faire ceci et ne vous en faites pas, hein, c'est pas compliqué. Très simple. Donc voilà, première chose à faire, il vous faut identifier ici dans votre ordinateur, vous disposez de ceci, c'est-à-dire ce type de branchement à l'arrière de votre ordinateur. Si oui, c'est très bien, c'est excellent. Mais je suis sûr à 99% que votre PC ne dispose pas de ces branchements, à part si votre PC date des années 90. Si vous ne disposez pas de ce type de branchement, ce qui est fort probable, vous allez devoir acheter une carte et un câble. Par contre, si vous avez qu'une seule vidéo à extraire, ça ne sert à rien de faire tout ça. Ce tuto concerne vraiment les personnes qui ont, comme moi, plus d'une trentaine de films ou plus. Pour l'achat de votre carte, je vous oriente vivement sur celle-ci, Kalea Informatique à 44 euros. Donc si vous achetez cette carte, vous devez vous assurer impérativement que vous disposez de cette connexion sur votre carte mère. Maintenant, si vous n'avez pas ça dans votre carte mère, c'est pas un problème. Vous allez devoir acheter une carte en PCI 1. Les connexions PCI 1 sont forcément présentes dans votre carte mère. Donc votre carte ressemblera à ceci. Comme je le montre dans la vidéo, vous voyez que les dents ne sont pas du tout les mêmes. Je vous rappelle que je vais vous mettre plusieurs liens dans la description pour vous orienter vers des cartes PCIe Express ou PCI 1. Ceci dit, si vous disposez des connexions PCI Express, je vous oriente vivement sur cette carte-là, car comme vous pouvez le voir, il suffit de regarder l'architecture de la carte et on voit que c'est une carte de très bonne qualité. Je vous invite à ne pas bâcler votre achat, à bien vous renseigner sur la carte et surtout prendre compte des avis. Donc, une fois la carte achetée et livrée chez vous, nous allons l'installer sur la carte mère. Et pour ce faire, il va vous falloir dévisser le couvercle en ferraille qui se trouve en face de votre connexion PCIe. Je vous montre celles qui sont en face des connexions PCI 1. Et une fois dévissé, tout simplement, on va clipser notre carte. Et surtout, on ne force pas, sinon ça risque de faire très très mal. Et donc, une fois fixé, on n'oublie surtout pas de revisser la vis que vous avez retirée. Une fois vissé, oh, qu'est-ce qu'on a par magie? On a les connexions qui nous intéressent, c'est-à-dire la connexion IEE 1394. Une fois arrivé ici, vous avez effectué le plus gros et le plus dur du travail. Maintenant, il faut s'occuper du câble. Vous devez acheter un câble IEEE 1394 FireWire, désolé pour l'accent. Comme pour la carte, je vous mettrai aussi des liens dans la description pour pouvoir acheter, pour vous orienter sur les achats de votre câble. Normalement, le prix ne dépasse pas les 10 euros. Mais attention, vous trouverez actuellement sur le commerce des câbles dont la connexion se fait par USB. Ne prenez surtout pas ces câbles-là, vous allez gaspiller votre argent, d'une parce que ça ne fonctionnera pas, et si ça fonctionne, vos vidéos seront de très mauvaise qualité. Une fois votre câble acheté, vous prenez votre caméscope, vous le mettez sous tension, vous prenez une de vos cassettes, vous la mettez dedans. On prend ensuite notre câble, on le relie à notre caméscope et à notre ordinateur. Et une fois votre caméscope branché, on n'oublie pas de le mettre sur Play pour qu'il soit détecté sous Windows. Une fois mis sur Play, on laisse Windows faire son travail, vous entendrez ce bruit. Si vous n'entendez pas ce bruit, ne vous inquiétez pas, il faut laisser le temps à Windows d'installer le driver de la caméra, ça prend quelques secondes, et vous n'aurez rien d'autre à faire. Par contre, si vous avez suivi toutes les étapes et que votre ordinateur ne détecte pas votre caméscope, il se pourrait que votre BIOS ne soit pas à jour. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez à votre disposition un tutoriel qui vous permettra de régler le problème ici. Si vous n'avez aucun souci, eh ben vous n'avez rien à faire à part nommer votre vidéo et laisser l'importation se faire. Voilà, ça sera tout pour notre tutoriel. J'espère qu'il vous aura servi, qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir en commentaire ou en like. Si vous avez des questions, posez-les-moi et je vous répondrai dès que possible. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos de ce type. C'était Comment faire et tutoriel. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.